Et Yomina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Drian. Comme vous le savez, j'ai le code créateur. Le code créateur MasterDridri. Si vous voulez me soutenir, il suffira de le taper dans la boutique de Fortnite et d'acheter donc des items de la boutique via des V-Bucks que vous avez gagnés ou que vous avez acheté vous-même. Si vous voulez bien sûr encore plus me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Allez, ciao ciao Mina. Yomina, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Dragon et on se retrouve pour les solutions de la 4 semaine 8 de Fortnite. Et vous allez voir, elles sont très rapides. Il y en a une qui peut être un peu longue à faire. Si vous n'avez pas de chance, vous allez voir. Le premier, c'est de visiter la cascade congelée et la retraite reposante. C'est marqué sur la map pour les trouver. Accélérer sur des rails de glisse. Alors, ils ont encore rajouté des rails de glisse partout, mais moi, par défaut, je vais à Mega City. Éliminer des adversaires avec le pistolet mitrailleur réintroduit, donc c'est le nouveau pistolet mitrailleur qui a été donc remis. Subir des dégâts d'un adversaire et survivre pendant 30 secondes, donc ça c'est simple. Et marquer des joueurs adverses ou des personnages, donc ça c'est plus compliqué, il faudra plusieurs trucs requis. Mais vous allez voir, je vous expliquerai tout. C'est pour ça que je vous fais une vidéo de Solus. Allez, let's go! Alors, pour commencer, visiter la cascade congelée et la retraite reposante. Alors, pour ça, déjà, vous savez que vous allez pouvoir le faire, imaginons, une partie. Imaginons que vous le visitez dans une partie, que vous mourrez entre-temps. Vous pouvez aller sur la deuxième, le deuxième endroit à visiter pour débloquer. Sur ce coup-là, ils sont pas très embêtants. Parce que des fois, ils proposent des lieux à découvrir, mais il faut tout faire en une game. Et ça peut être un peu chiant. Voilà, deuxième île, première. Voilà, après avoir fait la première, maintenant on attaque la deuxième. Parce que tout à l'heure j'ai dit la première alors que c'était la première. La deuxième alors que c'était la première. Voilà, on va ici. À cet endroit-là, bon, on voit un adversaire qui est là. Ok. Et voilà, deuxième île. Ah ouais, non, toi tu joues pas toi. Oh! Ah, tu veux devenir mon pote pendant la game? Ok. C'est très gentil. Tiens, si tu veux du loot. Allez, allons-y pour la deuxième quête. Accélérer sur des rails de glisse. Donc ça, vous les avez sur des rails, n'importe lesquels. Hein. Il y en a vraiment à plusieurs endroits. Et vous accélérez sur 200 mètres. Donc c'est très très simple. Hein. Vous le faites en 3 fois. Vous allez sur un deuxième. Vous re-accélérez une deuxième fois. Et vous faites à peu près 80 et quelques mètres, bien sûr, par accélération. Ne me touche pas, toi, laisse-moi tranquille, merci. Vous attendez que votre barre d'endurance revienne. Et vous accélérez, parce que ça consomme de la barre d'endurance. Et voilà, la quête se termine. Franchement, c'est vraiment très facile. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous accélérez, pour terminer cette petite quête. Maintenant, éliminer des adversaires avec le pistolet mitrailleur réintroduit. Alors, faut que je vous montre à quoi il ressemble, comme ça vous saurez à quoi il ressemble. Je pense pas que l'ancien pistolet mitrailleur marche. Ah, c'est lui! Lui, voilà. Il s'appelle, je crois, juste pistolet mitrailleur. Ouais, voilà. Alors que l'autre, c'est pistolet mitrailleur à double recharge, ou je sais plus quoi. Il a notre nom. Là, aucun répit, hein. On n'a aucune race. Hein. On attend qu'il descende. Hein. C'est pour ma vidéo, c'est pour ma vidéo, c'est pour YouTube. Merci. Il y en a un deuxième là juste à côté. Il m'a entendu. Oh c'est skin de babouche. C'est skin babouche. Désolé. Sans lui babouche. Allez toi t'es là, toi t'es là. Voilà. Ah mais t'es chiant que t'es constru. Bon maintenant je suis parti en constru mais. Allez. Voilà. Il faut juste en éliminer 3 pour valider la quête. Ensuite, il faut donc subir des dégâts et survivre 30 secondes. Voilà, là, vous voyez, j'ai subi des dégâts. Donc, mon but, c'est de base de résister 30 secondes.
Et je peux pas m'empêcher d'en tuer un parce que ça me titille trop. Et vous allez voir, donc je vais attendre 30 secondes. Hein. Si vous avez vraiment la flemme, hein, vous attendez qu'on vous tire dessus volontairement, vous faites tirer dessus. Et vous vous barrez. Tout simplement. La force. Le pouvoir. Ok. Vous allez voir, ça va bientôt se valider. Et on aura les... Voilà, c'est bon. J'ai résisté 30 secondes. Allez, allez, go. Marquer des joueurs adverses ou des personnages. Alors, des fois, déjà, il nous faudra... Voilà, le talent, trace sanglante. Déjà, priorité, talent, trace sanglante. Ensuite, il vous faudra une des deux armes. Alors, une des deux armes, donc, qu'il nous faudra, donc, c'est soit ça, le sniper lourd, ou soit il vous faudra le sniper tireur d'élite Cobra. Et ensuite, vous pourrez toucher des adversaires, hein, bot ou vrai joueur. Là, j'ai vu un bot, il est où? Regardez, si je le touche, ça marche. Vous voyez, ça m'a validé, hein. Et sur les vrais joueurs, c'est pareil, hein, vous avez juste à les mitrailler pour valider. Tiens, Spider-Man, regarde. Voilà, c'est bon. J'ai marqué 5 personnages. Bon, ça demande des conditions les plus chiantes parmi toutes, mais c'est faisable. J'espère que cette vidéo sur YouTube vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao, Mila.